Hey, salut à tous amis, c'est Okajo, on se retrouve sur Warcraft 3, le règne du chaos, pour la suite de nos aventures complètement épiques avec la tribu des orques. Des orques Warsong, c'est bien ça si j'ai pas de conneries. La dernière fois, nous avions fait la mission dans la passe des Barrens, où nous devions rejoindre justement le pic de Stonepile. Nous avions croisé le clan Warsong, le cri du clan Warsong, mais c'était chapitre 3, qui justement est en train de se faire de ce fight avec des humains. Et du coup, on était reparti dans notre vieille tradition de combattre des humains. Ça avait vexé Thrall qui avait envoyé Grom couper du bois. Et donc aujourd'hui, nous attaquons le chapitre 4, les esprits d'Ashenvale, qui est en gros une mission où Grom et Scream va se servir dur l'enfer, sa hache légendaire, pour couper des arbres. En gros. Voilà. Tout simplement. Donc, chapitre 4, les esprits d'Ashenvale, deux jours plus tard, le long de la forêt d'Ashenvale. Alors, faut savoir que c'est une mission qui est assez difficile, finalement. C'est une mission qui est difficile. Maudit soit Thrall de nous éloigner ainsi. Il confine ses plus grands soldats à des travaux manuels. Il sera perdu sans moi. Ah bon? Chef, ces bois ont quelque chose d'étrange. C'est trop silencieux. C'est comme si nous étions surveillés. Vous avez peur des esprits maintenant? Il n'y a ici que de vieux arbres et des ombres. Anoduna Felore, Isera de la Bantaros, Ashterod Nefanes. Vous entendez ça? Cet endroit est hanté. Je ne crains aucun ennemi vivant, mais ma hache est impuissante contre les esprits désincarnés. Silence, au travail. Il va falloir beaucoup de bois pour le nouveau camp du chef. Il faut dégager cette partie de la forêt. Allez hop, au boulot. J'aime bien, il y a quand même respect quoi. Le mec, on l'a envoyé faire un peu que de la merde. Et au final, non, full respect. Le mec est full respect. Il n'est pas salty du tout. Donc, on a de nouvelles unités, on a les chamans. Ok. Sans trop de problème. On va se faire... un grunt de plus et deux chasseurs de tête directement. Parce que c'est une mission où il y a beaucoup d'unités ennemies qui traînent. Et donc faut être hyper attentif. Faut être hyper attentif, ça c'est notre base principale en fait. Ça va être notre base de création d'unités, tout ça. Mais il nous faut de l'or, parce que vous avez vu, nous n'avons pas de mine d'or. Donc il nous faut de l'or. Plus il y a des trucs qui sont là. Quoi. Il y a des feux follets partout. Je vais y penser. Oh bah mort, les fous. Allez, survivant! Comme vous dites. C'est mes arbres. Non mais où? Enfin. Je vais y penser. Ah oui, tiens, direct. Chef, on nous attaque! Vous aviez raison, mes sœurs. Ces brutes à peau verte n'ont pas de respect pour la vie. Tuons-les au nom des lunes. Ouh, il creve tout. Alors mesdames, écoutez, aïe. Déjà d'une, vous mettez beaucoup trop de dégâts. Ce sont des femmes. Oui, on dirait presque des elfes, mais en beaucoup plus grand et en beaucoup plus sauvage. T'as lui, il a déjà plus de vie. What the hell? Les dommages qui se prennent. Quoique, attends, non. Est-ce que j'ai assez d'or pour construire un village seulement? Je sais pas. Arf. Chef. Enfin. Je vais y penser. Comme oh, bah, bonjour madame. Bah d'accord, ok, il est mort instant. Enfin. Mais une mine d'or, mais elle est qu'à... Ah putain, 9002. 9002, ça craint. Ouais. Ça vaut combien? Merde, 450. Putain, non, il me manque 5 or. Il me manque 5 or. For real, 5 or. Je vais y penser. Enfin. Comme vous dites. Enfin. Donc voilà, oh bonjour madame. Je vais y penser. Bonjour mesdames même. Comme vous dites. Oh merde, non, il y a encore une saleté de putain d'arme de siège. Ce grand arbre palpite de magie. Restons à distance. Ah, il n'y a que de la vête ici. C'est un arbre comme les autres. Abattez-le. Tiens.
Non mais sérieux ? Les femmes guerriers sont de retour sur des bêtes volantes. Elles ne résisteront pas longtemps quand nos chevaucheurs de loups les auront prises dans leurs filets. Mais ça m'attaque toutes les deux secondes. Ça m'attaque littéralement toutes les deux putains de secondes. C'est ultra chiant. Voilà, RIP une piste les madames. Et continue d'attaquer. Habituellement c'est pas filé également. Non arrête, elle va me dépouiller mes unités. Putain, elle me dépouille mes unités. Ok, il va me falloir que des unités de tir en fait. Il me faut une vraie armée de grunts et d'unités de tir. Du coup je vais bien me rechercher pillage en fait. Et comme il y a l'autre truc là. Ah régénération il me faut aussi putain. Je peux pas créer d'unité, j'ai pas d'or. Tant que j'ai pas une ressource d'or, je peux pas faire ça. Faut que j'attende que le pillage soit recherché et que j'aille dépouiller l'arbre. Ça va me donner de l'or. C'est le seul moyen, sinon je suis bloqué. Puis mon armée en plus commence à baisser sérieusement quoi. Je ne peux plus attendre. Perdu un chevaucheur de loup, un chaman et un chasseur de tête. Ça représente un tiers de mon armée, en gros. Chef. Allez, on va tranquillement se déplacer jusque là-bas. Je vais y penser. Normalement j'avais tué tout le monde. Je ne peux plus attendre. Comme vous dites. Recherche terminée. Comme vous dites. Allez, attaque. De l'or. À 5 par 5, ça va se faire. Ah la bille. C'est fait ça. Vous voyez, le grand arbre va nous fournir beaucoup de bois. Si nous en trouvons d'autres, nous les abattrons aussi. La grosse violence. J'ai bien fait de prendre pillage. Levez y penser. Pillage rentable. Enfin, comme vous point troll. Bonjour troll. Nous sommes attaqués. Oh un chef troll. Bonjour chef troll, j'ai le niveau. Je vais buter les prêtres quand même. Non mais really? Mais lâchez-moi deux secondes. Juste essayez de me laisser à peu près une seconde pour respirer. Si vous pourriez juste éviter vos attaques incessantes, une mine a fait quitter de pouf. Ok, je crois que j'ai trouvé l'endroit où je vais rester toute ma vie. Une mine à 40 000 d'or. Une mine à 40 000 d'or. Je ne peux plus attendre. Ils ont même fait un truc pour ça. On va les tuer, t'as des critiques toi. Tiens bim. Ta gueule connasse. Allez crève. Merci. Hop, ça m'a même fait gagner un niveau. On va se prendre. Arf. Arf. Non critique c'est plus sympa. Ou critique c'est plus sympa. Bah du coup oui. Tiens mon boulot du 28 là. Tu me fais un village. Impossible de construire ici. Oui, chef. Construisez-moi les bâtiments. Tu viens. Oui. Viens déjà là-bas. Avec grand. Vous allez là-bas, vous faites un clic jusqu'ici. Non, pas un clic, parce que sinon vous allez m'attaquer tous les putains de feux follets sur le passage. Je peux le faire. Un village. En attendant, bah vous allez me péter ça. Le pillage ça marche? Non ça marche pas. C'est les bâtiments ennemis ça non? Ça pourrait marcher pourtant. Ouais, il y a du bois, il y a tout ce qu'il faut là. Comme vous dites. Moule de cristal. Over here. Bédé. En fait on est juste à côté d'une putain de base énorme. Tout va bien. Moi je dis tout va bien. Je me sens pas du tout stressé, je me sens en sécurité. J'ai plus qu'un bonhomme. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Faut que je protège cet endroit en fait. Avec de l'or on peut tout faire.
faut que je protège cet endroit, mais genre à vitam aeternam quoi. On va se refaire des chevaucheurs de machin si jamais il y a des putains d'hippogriffes qui arrivent. En fait on va faire chevaucheurs de loups et masse de chasseurs de tête. Il nous faut une putain de troupe que ça quoi. Comme ça je pourrais attirer les personnes en l'air et en plus de ça je pense que je résiste assez bien aux... Comment ? Aux archers. Avec les chevaucheurs de loups même s'ils font pas de dégâts du tout. S'ils font des dégâts de siège quoi. Et puis en plus ils ont que des armures légères les elfes je crois. Je suis pas sûr mais je crois que c'est masse de ça. Après j'ai peut-être une connerie. Ça en met du temps un putain de village à construire. On peut pas heal le village. Tiens, expiation. Je ne peux plus attendre. Ouais, tu expies. Oui. Je vais y penser. Comme vous dites. J'ai cru que c'était un putain. J'ai cru que c'était un ennemi en mode. Ah l'attaque. Je ne peux plus attendre. Par contre, c'est vrai que c'est. La proximité me. Comment dire. La proximité me stresse. Un petit peu. Un petit peu. Peut-être que moi, mais la proximité me stresse. Un autre péon. Voilà, on va se faire une putain de récolte ici. Je vais devoir attendre 20 000 ans en plus. Sûr, je vais devoir attendre 20 000 ans. Parce que je peux pas me permettre de courir ailleurs. S'il y a une attaque là-bas, je suis mort. S'il y a une attaque sur la base, je suis mort. Je suis en stress. Je suis en gros stress. Quand il y aura marqué 100 000 ici, ça ira. Mais là, pour l'instant, je suis en stress. Allez. Je pense qu'il faut profiter du début de la game, parce qu'à mon avis, les attaques vont se renforcer petit à petit. Ça craint. Et si les attaques se renforcent, sérieusement, ça craint. C'est déjà deux hippogriffes, putain, c'est chaud. Mais en vrai, il y a une base là. Donc si je détruis la base là, je pense que j'enlèverai les attaques bleues. J'aurais plus d'attaques blanches, donc des hippogriffes. Enfin, c'est chiant, mais j'aurais plus des hippogriffes. Allez, on va accélérer le rythme. Il nous en faut 5 millions. Point travaillé. Voilà, ça commence à se mettre en place, pas trop mal. Travailler. Bah voilà. La récolte est pas mal là. Allez, on en remet un de plus. On en remet un de plus. Normalement c'est 5 la rentabilité maxi. Mais j'ai envie de tester. Ouais. De toute façon, même dans tous les cas, j'en aurais besoin parce que. Avec plaisir. Il me faut des tourelles. Je vais en faire 15. Je vais faire que des tourelles. Ah ouais mais non mais ils ont des attaques de siège aussi. Oh les fils de pute, ils ont vraiment tout. Ils ont vraiment tout pour me faire chier. Ils ont des armes de siège aussi. Oh les sacs à merde. Les armes de siège c'est l'enfer quoi. Les armes de siège c'est l'enfer. Ah peut-être que je fasse. Non pas de grunt. On a dit pas de grunt. On va mettre régénération aussi. Puis on va les buffer aussi, j'ai pas mis les buffs. Putain, revoilà les connards. Vite, on court. Enfin. Je vais y penser. Comme vous. Prête à l'action. Tu te calmes, Jean-Louis. Aucun problème. Vas-y, cours, Jean-Louis, cours. Bait. Non, mais qu'est-ce que... C'est incroyable, ça. Non, mais sérieusement. C'est bien, mais la défense va retenir un peu. Là. Vous deux, allez là-bas, courez. Mais on s'en fout de ça, on s'en fout, c'est un putain de péon.
Vous fuyez, fuyez, courez loin. Courez loin, c'est un village, ça peut tanker. Du travail, encore du travail. Rejoignez l'armée. Sauvez-nous. Please. Du travail, encore du travail. Et tu me la critiques fort, elle. Elle, tu me la défonces. Là. Défonce là. Vite. Putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils peuvent pas nous foutre la paix deux minutes. Est-ce que je vais devoir bâtir un putain d'empire de toile? Oui. Je peux le faire. Avec plaisir. Il faut plus d'or. Dans quelle putain de galère je me suis encore envoyé. Que dois-je faire? Qu'est-ce que c'est que cette mission? Du travail, encore qui du travail. Qui est l'imbécile qui a créé ce truc? Vengeance pour Jules. Qui s'est dit chez Blizzard, allez c'est Big Fun, on va faire une mission qui est quasiment ingagnable. Où il n'y a que des putains de monstres partout quoi. La base principale elle ressemble plus à rien. Je serais mieux de tout recentrer. Clairement je serais mieux de tout recentrer. Attends, j'ai 40 000 d'or. 40 000 d'or, je peux largement tout recentrer. Qu'y a-t-il? C'est parti. Je vais déporter toute la base ici. Quoi? Oui. Quoi? Avec plaisir. Travail terminé. Oui. J'en fais que des putains de tours. Il va y avoir 100 000 putains de tours dans la base quoi. Je peux le faire. J'en veux partout. Oui, chef. Je ne peux plus attendre. Et dès que j'aurai une vraie force offensive, parce que là, bon, c'est pas mal, mais. Travailler. Enfin. Ok, si je fais le tour là-bas, il y a un putain d'arbre protecteur. Il faudrait une catapulte dans l'idéal. Ma catapulte va se faire tuer 20 fois sur le chemin. Quoi. Le mot magique. Manche. Travail terminé. Qu'y a-t-il? On va attendre un peu, puis je vais les envoyer en patrouille. C'est parti. Qui moi devoir tuer? Que puis-je faire? Travail terminé. Non. Voilà, patrouiller jusqu'à la base. Comme vous dites. Que dois-je faire? En permanence. Avec plaisir. Oui. Du travail, encore du travail. Faites des patrouilles en permanence. Ne vous arrêtez pas. S'il y a des trucs sur le chemin, tuez-les. Tuez tout ce que vous trouvez. Un petit codo, c'est pas du luxe. Voilà, au moins là j'ai un vrai. J'ai un réseau défensif, c'est tout. Là il n'y a pas plus opti là je pense. Travail terminé. Quoi? Alors quand est-ce que j'ai trouvé le temps d'attaquer avec tout ça quoi? Une case. Je peux le faire. Une case ici au moins, vas-y. Travail terminé. Toi, investir ça coûte cher aussi. Il faut plus d'or. Et voilà, investir. Pour le coup, catapulte, tu peux pas me mettre un ou deux coups là. Mets-moi cet arbre, il me semble. Encore un coup. C'est bien. Tu peux t'arrêter. Merci. On va y arriver. Quoi?
Ne vous démotivez pas, on va y arriver. De toute façon, j'ai pas besoin de jeu de chaman. Chaman, ça sert à rien. Les angles des orques, ça c'est bien. Je vais en faire. Impossible de travailler, encore du travail. Que dois-je faire ? On va y terminer. Je peux le faire. Du travail, encore du travail. Tout le monde des entres des orques. Avec plein de zèles. J'ai la petite caserne de proximité et tout, là c'est nickel. Ça va pouvoir me trouver régénération toi. On va peut-être commencer à se faire des vraies armes à un moment. Les armes de G au moins on va les booster. T'as tellement de construction là, je ne m'arrête plus. Je suis en train de me refaire une base. Travail terminé. Bah toi, mongolien, ici. Travail terminé. Tu retournes à la mine. Travail terminé. À la mine. Vous allez me la vider celle-là. Alors non, je suis désolé. Oh putain, c'est énorme comme attaque. Putain, c'est quoi cette attaque de fou? Bouffe-moi elle, elle est changée. Grom, t'es où? Nous sommes attaqués. Ah nickel, la défense à la tenue. Oui, chef, recherche terminée. La défense à tenue, parfait. Miracle. Quoi, chef? Miracle. Mais ça veut dire que... Attends, j'ai l'impression que du coup, ils ont repéré que cette base, en fait. Comme vous dites. J'ai l'impression que du coup, ils ont repéré cette base comme étant ma base principale, et donc qu'ils ont envie d'attaquer que celle-là. Ce qui serait, en soi, plutôt pas mal. Tu me refais une catapulte. Quoique. Ce serait réellement nécessaire, non? Tu me refaire deux chasseurs de tête et toi tu vas me refaire deux chauffeurs de loup. Parce que je vais avoir besoin des filets. Hein, on est. Soyons clairs, nets et précis là-dessus. Je vais besoin des filets sérieusement. En plus ça je peux même me permettre de me faire prendre par derrière. Donc je vais garder ma troupe de ceux qui font des parades, là, enfin qui font des allers-retours à la con. Barricade des pieux, elle me fait voir aussi. Ça quand ils même pas, non, j'ai pas besoin de barricade des pieux. Barricade des pieux, on prend pas. Les personnes qui attaquent et tous les trucs au corps à corps. Tout le monde attaque à super grande distance ici. Vengeance pour Soulzy. Donc tu veux réparer les trucs, toi. Le mot magique. Tu me dis pas que t'es bloqué. Qu'y a-t-il? Prête à l'action. Le mot magique. Bon, bah péter ça. Oui, chef. Que dois-je faire? J'ai l'impression tellement d'avoir perdu mon or là. J'ai bloqué mes soldats. J'ai bloqué mes soldats tel un boulet. En fait, tel le roi des. Tel le prince des boulets, j'ai bloqué mes soldats. Recherche terminée. Alors voilà. Le bon joueur, vraiment un très bon joueur, un joueur de qualité. Quoi? Imbécile. Où moi devoir aller? Bon, est-ce que je tente une attaque? Ça sent un peu comme fort d'attaque. Je ne peux plus attendre. Enfin. On est deux jours aussi. Mais deux jours et la base est pas si grande, avec trois armes défensives. Trois. C'est énorme. C'est énorme trois armes défensives. Hein. En vrai, trois armes défensives, c'est carrément fort. Ouais, mais je suis en train de faire faible aussi. Bon allez, il y a un moment, faut tenter quand même. Il y a un moment, faut porter ses balls et faut tenter des choses. Qu'y a-t-il?
les gars. Quoi ? À l'attaque. Pour la gloire. Et mourrez pas tout de suite, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. On va déjà prévoir des renforts. Alors, au niveau macro, comment ça se passe? Bon, bah, la catapulte a tout compris, déjà. Elle a le bon focus. Dernier tir. Et ensuite, tu vas me laver celui-ci, s'il te plaît. Je ne peux plus l'attendre. Alors, arrêtez. Bon, de mon gueule, faut y faire ça. Bon, là, c'est mort, vous pouvez l'être. Non, j'en ai une. Et recule-toi, parce que sinon, tu vas te faire péter. Toi, critique-moi cette chose. Toi, t'as eu le bon focus jusque-là, tu continues. Je ne peux plus attendre de vengeance pour Zulzi. Nous sommes attaqués. J'ai pas remarqué, putain. Dernier tir, parfait, bim, ça c'est mort. Ensuite, là, t'attaques ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a elle derrière. Nous sommes attaqués. Le bâtiment de prod. Le bâtiment de prod, vite. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Bâtiment de prod. Crois-moi devoir faire. Détruisez les putains de bâtiments de production d'unité. Imbécile. Bon, parfait, ça c'est bon. Tu me reconstruis l'armée directe. Cherche pas plus loin. Tac, une vraie armée. Toi, je sais pas que t'es bloqué aussi, toi, non? C'est bon, tu peux rebouger, tu m'en refais un entre. Du travail, encore du travail. Et bougez votre cul, merde! Ils font rien. Ouais, une fois qu'on a pété ça, c'est bon, on a gagné. Maintenant, vous me tuez toutes ces merdes. Ces lueurs sont étranges en vérité. Ce sont peut-être les esprits malfaisants dont vous avez tellement peur. Elle crève, toi. Mec, c'est un putain de troll, gros. Je vais y penser. Voilà, cassé en deux. Survivants. Exactement. On va être terminé. Aucun survivant. Détruisez tout. Je vais y penser. Une base en moins, ça fait des attaques en moins. Ça. Par contre, j'ai aucune idée d'où sont les suivantes. Là-haut, il y a quoi? Je vais y penser. Toujours dans les coins de toute façon. Allez, bien, gagné. Et là, ils vont me rattaquer en plus. Parfait. Comme vous dites. J'ai pu spotter de l'attaque avant qu'elle ne frappe. Qui moi devoir tuer? À la base. Oui, chef. À la base, ça va attaquer. Ça va attaquer Soon. Oui. Tu leur fais des tours à la défense. Avec plaisir. Si on a de l'or, on s'en sert. Mais je fais quand même quelques grammes parce que je pense qu'on n'est pas... Il faut quand même en prendre. Il faut quand même en prendre sinon je vais plus perdre qu'autre chose. Allez. Allez, si vous voulez venir, allez-y. Rien ici. Y'a rien ici. Il reste encore des morceaux de leur camp. Bon, après, ils s'en construiront plus. Hein. C'est fini, il n'y a plus de camp. Bon, alors, par contre... C'est tellement pas gagné. Ils arrivent... D'accord, bien évidemment, ils arrivent de l'autre côté. Évidemment, le M-Bot, en fait. Ils savent exactement où est-ce qu'on est en permanence. J'adore.
Prépare-toi à apparaître toutes les tourelles que tu vois, toi. Quoi être ? Je ne peux plus attendre. Oui, chef. Et dès que tu vois une putain d'hippogriffe, tu me la fous à terre. Hippogriffe à terre, vite. Hippogriffe à terre, vite. Allez hop, one shot là. Ouais, par contre, elle s'est fait dépouiller. Elle s'est fait défoncer. Chef. Maintenant, vous allez aller voir par là, là. Vous allez monter par là, les bois. Là, comme vous dites. Là par ici. Je sais pas ce qu'il y a, on y va. Non, mais ils attaquent aussi là. Shadow Lys, Moonglaive et puis les chasseurs. Mais il y en a partout. Hein. Lâche-les, toi. Toi, t'es lent, toi. Le profil est attaqué. Mais c'est ça, Zagzag. Des chasseurs de tête et des chauffeurs de loup, c'est vraiment le plus efficace. Il n'y a pas à dire. Chef. Pas de survivants. Toi tu crèves. Je ne peux plus attendre. Tu l'as, je te dis. Tu l'as, elle. Critique. Maintenant. Elle. One shot. Elles sont tellement rapides, ces soldats. J'ai ça là ultra rapide. Arme de mêlée, on booste. On booste tout. De l'or, si tu sais pas quoi faire, de l'or. Fais la queue. Vengeance pour Zulzi. Chef. Comme vous dites. Là, chef, là, attends, y'a pas des trois chanteurs. Oui, chef. Bah va avec le reste du groupe toi. Mange. Faut qu'on fasse plus que ça maintenant. Des chevaucheurs. C'est parti. Parce que là j'en ai pas assez du tout. Voilà, c'est mieux. On y va. Je vais y penser. Avec une brigade pareille, je suis sans pouvoir one shot toute unité volante qui viendra m'attaquer. Enfin. Donc c'est comme pas mal. Vous dites. Enfin. Comme vous dites. Enfin. Comme vous dites. Allez, on va aller voir un peu ce côté là quand même. On va aller faire un peu le tour. Vous avez plein de petites voies, mais c'est dans les forêts. Il y a des arbres coupés. C'est moi ça? Ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'être de moi. Est-ce qu'il y a un autre camp ici? Ouais voilà, il y a trois camps. Trois camps, trois arbres. Ça fera assez de bois. On va tous les dépouiller. Ça va prendre 2h30, mais on va tous les dépouiller. Yo, je te vois tout seul. Salutations mon bon orc. Quelle surprise de vous voir dans ces contrées. Nous sommes ici. Pour couper du bois, petit gobelin. Il existe une tribu d'hommes ours nommée Furbolg dans cette région qui nous donne bien du souci. Si vous tuez leur chef, nous vous ferons un prix sur nos marchandises. Nous vous laisserons même utiliser quelques déchiqueteuses. Je vais y penser. D'accord, Furbolg, on ira direct. Je sais pas si j'ai la bonne armée pour ça, mais on y va. Ok, ils sont là-bas, d'accord, très bien. C'est là, c'est l'autre endroit, quoi. On y va, on reviendra ici pour choper les déchiqueteuses. Y'a quoi, là? Je vais y penser. Ok, là, c'est un petit camp de Moonglaive. Oh, un tome. Comme vous dites. Enfin. Je vais y penser. Oh merde, d'accord, il était bien gardé en fait. C'est quoi les gros sorts de sommeil là? Mourez. Enfin, et ils m'ont donné 100 or chacune. Vous dites. Genre, enfin, 100 riches. Comme vous dites. Par contre, j'ai perdu. J'ai perdu un chevaucheur. Encore. Je vais y penser. Comme vous dites. Eric le Furbolg. Il doit s'agir des Furbolg dont a parlé le gobelin. La bataille en vaut la peine. Baou, il n'y a pas de baou. C'est vous les baou. Enfin. Par contre, les bonnes grosses attaques pénétrantes contre les Furbolg, bien efficaces. Tank un peu. Quoi? Le bouclier de foot sur les alliés, la bonne technique de fils de pute. Je ne peux plus l'attendre.
Oh merde, je me suis fait tomber de merde. Et j'ai pas d'hôtel. Que dois-je faire? Plutôt que d'attendre pendant 120 ans, fais-moi un hôtel et tempête. Vite. Tu travailles encore des toi, fais-moi des chevaucheurs de loup. Plein de chevaucheurs de loup. Ça va, vous le tuez quand même. Quoi? Il le tue. Ma récompense, c'est que je suis mort, non mais où? Manche. Aucun problème. Une pièce de santé ici à récupérer et je vais ramener tout le monde à la base. Prête à l'action, le mot magique. Je vais envoyer une petite brigade ici pour défendre au cas où. Parce que je reste quand même sensible hein, au final de nos attaques. Je vais prendre. Non, je prends pas la barricade des puces, ça. Et je la prends pas, fuck off, ça me fera économiser un peu. Allez, des chevaucheurs de loup à fond. Il nous en faut plus. Mange. Travail terminé. Il faut plus d'or. Allez, tu me le raises. Quoi? Tu me le raises et lui, il ira voir directement Murloc machin. Quoique non. D'abord, tu vas chercher ton papier de santé. Comme ça, ça régénérera un peu de santé en passant. Si jamais il y a un combat. Prête à l'action. Il y a rien d'autre à améliorer, bon, il y a le bastion, mais ça sert à rien, je regarde un peu dans tous les coins ici. Non, c'est bon. Bon, les chamans, tellement je les encule, quoi. Pas de chaman, fuck off. Chaman useless. 26 000 d'or, je suis large. Je suis large sachant que mon armée est complète là en fait, je vais pas... Là si je fais une attaque, bah c'est une attaque qui rase un camp. Là je peux pas dire que je vais pas raser un camp avec un truc pareil quoi. Enfin, si j'arrive à ne pas détruire ce camp avec une armée comme ça, on peut pas le détruire de tout le jeu, c'est... il est en scénarium le camp. C'est un camp en scénarium. Et du coup ok, détruise les armes de vie. Voilà, tu vois, il faut que je les détruise tous. Je détruis tout. Tout. Ça me prendra la journée, mais je détruirai tout. Rien à foutre. Donc tu restes, toi. Prête à l'action. Alors, ça en fait deux grunts. Merde, entretien élevé, je gagne plus de 4 d'or. Il va falloir attaquer. Chef. Non, pas en position, vous avez pas trouillé tiens, jusqu'ici. Raise, grouille. Une attaque. Des trucs volants ou pas? Non. Va me taper les bâtiments. Va me taper les bâtiments. Allez me taper ces trucs. Ah c'est bizarrement moyen, il paraît que ça avait des armures lourdes de bâtiment. Ah, j'ai tout perdu des chasseurs. J'ai surtout perdu des chasseurs de tête. Après tu me feras des putains de bottes de vitesse. Du coup j'ai perdu un peu de monde. Chef. Ouais, des putains de bottes de vitesse. Enfin. Je peux explorer. Tiens, il y a encore un cercle. Tiens, il y a encore des putains de connasses là-dedans. Hein. Go vent divin. Nous sommes attaqués. Merde, bon bah go vent divin par là en fait. Tu vas aller me tourbillol dans le tas. Inutilement. Pas de survivants. Tue-moi toutes les connasses d'un coup. Ne veille pas. Pas de survivants. Pas
pas de survivants. Parfait. Vous dites. Enfin. Allez. C'est bon là? Ah, merci. Voilà. Ces déchiqueteuses couperont les arbres en un rien de temps. Il y a des parchemins de soins? Prenez votre temps. Des parchemins de soins. Parchemins de soins. Donne-moi au pays. T'es fort les découpeurs? C'est fort. Ça a pas beaucoup de points de vie par contre. Est-ce que c'est pas plus moins tanky qu'un... Quoi, ah, c'est moins tanky qu'un grunt. Bon, c'est pas grave. Je ne peux plus attendre. Que deux, ça suffira. Il faut plus d'or. T'es fait, je vais retourner là. Au pire, cette base-là, elle tombe, c'est plus trop grave maintenant. À la limite, pour les entrées des orques, ça me fait chier. Mais sinon, après, ça me fait pas chier. Bon, les gars. Le mot magique. On marche jusque là. Prête à l'action. Chef. Je vais y penser. On va marcher jusque là-haut. Vengeance pour Jolzy. Attends, j'attends de voir un peu, j'attends qu'il sorte et puis je vais gérer l'armée. Prête à l'action. Voilà. Comme ça je fais hop, à clic, et c'est bon. Alors le héros, lui. Toi tu viens. Comme tu viens en speed parce que toi j'ai vraiment besoin de toi et de tes compétences. Je vais y penser. Parce que soit tu vas être mon principal point de focus. Enfin. Ok. Ok, alors déjà il y a un arbre ici. Comme vous dites, y a-t-il. Filet. Filet. Le mot magique. Il se déplace enfin de son côté. Filet. Y a-t-il. Filet. On s'en fout, il est tout seul. Là, lui là-bas, excusez-moi ce machin. Une des chimères. S'il me sort vraiment une chimère là par contre je suis mal. Tiens, meurs découpé. Ok maintenant. Arbre de construction. Non. Ça. Non. Ça. Soit vous tuez les unités, soit vous tuez les arbres qui font des unités. Vous faites pas autre chose. Il est où, là? Qu'est-ce qu'il fout, là? Qu'est-ce qu'il attend? Voilà, là, c'est bon. Là, vous pouvez commencer à faire autre chose. Là, vous pouvez détruire autre chose. Parfait. Là c'est bon. Mais du coup, pendant que le massacre continue, 3 chauffeurs de loup, 3 chauffeurs de tête, on envoie tout là-haut. Voilà, un chauffeur de loup, un chauffeur de tête. Voilà, voilà. Comme ça, on va sortir la force armée. Ne perdons pas de force armée. Est-ce qu'ils ont pillage, les... Non, ils n'ont pas pillage. Dommage. Par contre, c'est d'énormes dégâts. Les dégâts sont hallucinants. C'est pas des dégâts de siège, mais c'est des bons dégâts. Quoi. Donc, c'est pas spécialement utile contre les bâtiments. Mais ça reste très fort. Voilà. Ça va être fait, cette putain de mission. Non mais oh. Qui a dit qu'on en chie à tout détruire? Alors, j'aurais pu aussi me replier dans un petit camp, puis juste farmer le bois et gagner la quête très vite. Mais bon, il y a marqué « Détruisez les arbres de vie ». Je vous rappelle que c'est l'intégrale de Warcraft, donc on va faire l'intégrale des missions qui nous sont proposées. Si on le peut. Et clairement, là, on le fait. Ça prend juste un peu de temps. De toute façon, on peut toujours, hein. On peut toujours tout réussir si on prend le temps. Alors voilà, lui, il tape du 2, lui, il tape du 15 000.
On voit bien quand même que les armures renforcées, enfin les armures de bâtiment, c'est des armures de bâtiment quoi. Mais en plus je voulais toi. T'es venu voir comment ça allait dans la base d'à côté, c'est ça? Ah imbécile. Entretien faible. Ah entretien élevé, j'espère. Ton mode de pli, c'est la bonne blague. Envoyez-les directement là. Parce que moi j'attaque. Chef. Enfin. Quoi? Qui moi devoir tuer? Oui, chef. Quoi? Comme vous dites. Enfin, nous sommes attaqués. Je vais y penser. Enfin. Pas de survivants. Viens-moi. C'est quoi? Découpage. Un clic découpage. Un clic tourbillon de lame. La bonne grosse technique d'Otis. Ah, il y avait des trucs là. L'aile, j'ai tout pété. Sans même le voir, j'ai tout pété. Ça là-bas. Voilà. Consomme-moi ça. Parfait. Ça, c'est encore une, base, une bonne base détruite. Ça, c'est encore une base complètement explosée, ça. Allez, rect. Tyrannosaurus rect. Tu meurs, fais 3 de chaque. On continue, on ne s'arrête pas. Massacrez-moi cette base. Pff, oh, le missile venu de nulle part, quoi. Putain, je l'avais pas vu tomber, cette boule. 3000 boîtes plus, bonjour. Easy game, vive le pillage. Le bon pillage. Je ne peux plus attendre. Allez, un clic par là, je sais pas ce qu'il y a, mais on en fout. Un clic. Un clic-moi tout. Clique-moi tout comme un crétin. T'as pas dit à ça, bah tu tues le, tu le, tu le tues, voilà, c'est bien. Il meurt aussi, parfait. T'as un autre comme ça aussi? Non. Tu veux pas en cacher quelques-uns d'autres arbres? Mais quoi? Bonjour. Vous êtes qui? Cherchant l'étoile? Un arbre, fais-le. C'est tout. Meurs. Toi t'es mort 20 fois. Allez, critique. Critique dans ta gueule. Critique. Ah bah critique là-dessus. Critique-moi ce truc. Enfin, boum. Boum, je dis. D'accord, il veut pas. Bon bah, putain, cette armée. Cette armée inarrêtable. Y'a quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Boum, prends le ton. Presque tout ce qu'il nous faut. Nos stocks de bois sont presque pleins. Enfin. J'ai rien à prendre par là. Les déchets. Bah hop, les armes de vie c'est fait. Bah les déchiqueteuses au boulot. Choper du bois maintenant, tous. Je sais pas si j'ai une déchiqueteuse de cassé, moi, je crois. J'ai encore cette méga armée, mais je crois que c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour de la base. Ouais, j'ai fait le tour. Chef, comme vous dites, fait le tour de tout. Je vais y penser. Il y avait juste... Ah, si, ça. Ça que je voulais aller voir. Vite, cours, avant d'y venir. Parce que s'il y a une déchiqueteuse qui se met à déchiqueter, on est foutu. La catégorie vitesse de faire du bois là. C'est quoi le trésor? C'est quoi le trésor? Boîte de vitesse. Tiens, découpe. Cool, elles sont bien sensibles au sort elles aussi. On adore ça. Potion de restauration. C'est important.
La boîte de vitesse, ça c'est cool, mais la potion de restauration, ça sert à rien. Non, j'ai claqué les parchemins, j'en ai pas besoin. J'ai même pas besoin des parchemins, j'avais acheté les parchemins en prévision, mais bon. Au final, j'ai même pas besoin. Tac, 200 de bois par 200 de bois, non mais qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Mes bonhommes les ramènent 10 par 10, elle c'est 200 par 200. 200 par 200. C'est de la triche. C'est de la concurrence déloyale. Du travail, encore du travail. Okidoki. Je peux le faire. Ah, je vais la réparer. Grosse concurrence déloyale, mais c'est pas grave. Puis la catapulte, c'est plus qu'elle fait. Elle est devenue folle. Puis du coup, ils m'ont retué le truc. Donc j'ai mis le feu aussi. Non, je te dis, j'ai détruit la map. J'ai dévasté la map. Quoi? J'ai dévasté le royaume elf. Voilà. Ashen Vale, c'est mort. Ashen Vale, c'est ma bitch. Je te la découpe à grands coups de scieuse, là. Nickel. Tout va bien, paf, 200 bois en plus. C'est complètement cramé. C'est juste complètement cramé, quoi. Ça n'a aucun sens, ce truc. C'est juste mille fois trop fort. Y'a plus d'arbres. On sait plus quoi faire, monsieur. Y'a plus d'arbres. La découpeuse, elle a déjà nous découpé. T'es bon, découpeuse? T'as fini ton office? Elle me fait trop marrer quoi. Elle me fait trop rire cette découpeuse. Tous les petits bonhommes se ramènent 10, 10, 10. Je l'ai pas trop déposé 10 kilos de bois, c'est genre. Enfin 10 kilos, non, puisque je dis 10 tonnes à la limite. Alors je la vois trop porter son énorme fagot et pouf. Alors t'as les autres à côté en mode on en chie, on a 3 bûches. En plus alors les arbres elles les découpent à la pelle quoi. Allez, paf, merci, au revoir. 15 000 de bois pour le chef, c'est fait. Tué et brûlé. La violence. Non mais où? Chef, nous avons terminé l'abattage. Mission anti-écologiste. Bien. Nous allons commencer tout de suite la construction du camp. Voilà. C'était la bonne mission anti-écolo. C'était la... Tu le sens là? Tu le sens la bonne mission que la planète va brûler juste à cause d'elle? Tu le sens le bon gros... Merde, le bon gros capitalisme. En mode rien à foutre de la forêt, rien à foutre de ce qu'il y a autour, on brûle tout. Voilà, bam. On crame tout, on détruit tout, rien à foutre. Putain. Eh ben 51 minutes, bah, j'ai mis 20 ans. Bon, vous avez vu, les vidéos se rallongent de plus en plus, mais bon, c'est vrai que les missions sont de plus en plus dures, donc moi je traîne de plus en plus. Donc bon. Alors on regarde un peu les scores, mais là du coup, ouais c'était ça, Moon Hunter, l'âme de la nuit, Shadow Leaf. Grosse connasse quoi. Bon, les chercheurs d'étoiles, ils n'ont servi à rien, mais putain, les Moon Hunter et Shadow Leaf quoi, avec leur putain de machin qui vole, elles m'ont tellement, mais tellement fait chier. Incroyable, quoi. Bon. Eh ben, putain, c'était dur. Ben, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein. Moi, ça m'a fait très très plaisir, cette partie, c'était vraiment sympa. Bien compliqué comme il faut, on voit vraiment que les objectifs se précisent, hein. On commence à arriver dans les derniers... Pas les derniers niveaux, mais les derniers retranchements du game. Donc, on est en mode, là, maintenant, faut affronter des vrais trucs, quoi. C'est des vraies missions. Donc, du coup, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué. Donc, plus long. Du coup, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, hein, malgré sa longueur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça va toujours très plaisir, c'est super sympa. N'hésitez pas également à mettre, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Et bien sûr, la description, comme d'hab. Et n'hésitez pas à... Parce que attendez, je suis en train de bugger parce que je regarde le chantier devant. Je me demande ce qu'il faut et ça grille le mec. Bon, enfin bref. N'hésitez pas également à commenter la vidéo, bien évidemment, hein, mais dites-moi si j'ai dit des conneries dedans. Je vais pas vous parler beaucoup du jeu, mais après c'est vrai que, bon voilà, clairement c'est juste du couper du bois la mission, donc c'est pas non plus une grosse mission importante pour le scénario. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais n'hésitez pas, bien évidemment, à poser vos questions comme d'habitude, voilà. Et partagez la vidéo aussi, c'est super important, c'est toujours super 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 important de partager. Voilà. Bah, sur ce, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Salut à tous et à la prochaine. Allez hop.